Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont conforté les sondeurs en se qualifiant pour le deuxième tour de l'élection présidentielle ce dimanche, le dépouillement des voix a révélé quelques surprises, comme le note France Info. Scène insolite à Paris au moment de l'ouverture des enveloppes avec la découverte d'un billet de 50 euros assorti de la mention « pour Pénélope » en référence aux soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur le couple Fillon. Les affaires du candidat malheureux ont aussi inspiré cet électeur de banlieue parisienne qui lui envoie ce message, la vérité sort de la bouche du canard enchaîné. D'autres ont fait le choix du vote gourmand, comme cet électeur qui a opté pour un camembert. À Arras, une électrice a, elle, déclaré sa flamme au candidat de la France insoumise en imprimant un baiser sur un bulletin Jean-Luc Mélenchon. Et puis c'est à son chien Gigi que cet électeur donne sa voix. Lui est honnête, fidèle et pas du tout menteur. Ironique ou désabusé, tous ces bulletins de vote ont été comptabilisés comme nuls.